Hong Kong nous a contactés pour nous offrir un téléphone, le Black View pour Black Lion. Nous avons carte blanche pour ce téléphone qui est soi-disant indestructible. Regardez le réflexe. Oh, j'ai l'air attrapé. Oui, mais normalement, c'est quoi ça? Bébé, arrête! Capacité de 8550 mAh, ce qui est énorme. C'est comme si vous avez un power bank. On a une expérience dernièrement, pas nous, mais notre papa et notre maman de la mer, quand on est parti à Trinidad, vous vous souvenez, 44 nœuds devant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu leurs deux iPhones. Il va pleuvoir, on va savoir ce qui va se passer, s'il résiste à la pluie. Allez, on le récupère tout à l'heure. Bah, j'espère que ça va marcher, sinon on va dire comment. Bah, il marche. Ce qu'elle donne, c'est quoi? Même mouillé, on peut utiliser l'écran tactile sans qu'il se passe quoi que ce soit. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. On va aller sur l'avionics. Il paraît qu'il peut aller à 1m50 sous l'eau. Oh. Donc attention, bingo. Voilà. On va tenter de le mettre dans un saladier aussi quand même, non? Ouais, c'est de l'eau chaude, merde. Ah, ça fait des bulles. Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, c'est normal. Ça fait des petites bulles. S'il vous plaît, tu reviens. On ne triche pas. Hein. Bien toujours. Voilà. Et par contre, c'est pas facile de téléphoner sous l'eau en fait. Qu'est-ce qu'on rigole. Ils disent qu'il faut le faire sécher à l'air libre. Donc on va le mettre là. Voilà. Malheur à toi, petite gentille personne de Hong Kong. Tu sais pas ce que t'as fait là de mettre le téléphone entre les mains de la jacouille. Tu sais pas. Il est testé pour tomber à 1m50. Test numéro 1. On donne le téléphone à la jacouille dans le bateau. Bébé? Tiens. Oui, salaud, tu me l'as tombé sur le pied. T'es nul. Est-ce qu'il marche toujours? Est-ce qu'il est cassé? Non, il marche, mais mon pied. Mais là, au moins de 2 mètres. Hein. Il est cassé. Mais envoyé dans la gueule, là, tu vas voir. Donc, test numéro 1 dans le bateau. Jacou n'a pas récupéré le téléphone. Et voilà, aucun réflexe. Donc, pas de fissure toujours. Voilà. Excuse-moi, ma jacouille. Oui, mais c'est le BV6600. L'anti-choc, on va tester encore. Je prendrai au dépourvu ma jacouille pour ne pas que nous trichions. L'utilité également, c'est pas d'avoir qu'un téléphone. C'est que j'ai cherché Android, je connaissais pas. J'ai mis Navionics dessus et du coup, bah, ça fonctionne avec Navionics. Weather 4D ne marche pas sur Android, mais il y a plein d'autres applications comme CIMAP, Navi, tout ça que vous pouvez mettre dessus. Et l'écran, c'est un écran de 5,5 pouces. Donc, c'est super agréable. Et l'autonomie, je l'ai branché hier. Il est resté allumé hier. Je n'ai même pas dépensé un dixième de la batterie. Je jure que c'est vrai, banane. Il faut que je trouve un mannequin quelque part. Moi, s'il vous plaît. Je ne vois pas. Plus, c'est quoi? Hop, on vient l'empaler, voilà, bravo les bananes. Attrape. Voilà, ça c'est fait. Ben, il marche toujours. On va montrer tes petits pieds, voir. Non, ça tient, attrape, je couille. Écoute, elle me dit, tu vas mettre dans le sac carrément. C'est vraiment parce qu'on l'a pas payé. Ok, vas-y, fais un petit trou. Allez, vas-y, allez, creuse mon toutou, creuse. Allez, on met dedans, vas-y, on referme. Voilà, ok, on le ressort. Hé, un téléphone, bébé. Oui, c'est chouette. Bah, tu l'as remontré ton code. Le téléphone fonctionne toujours. Voilà, et en plus de ça, l'écran tactile, il n'y a même pas de perturbation avec l'eau ni quoi que ce soit. Donc je conseille quand même de le rincer à l'eau douce une fois qu'il est tombé dans l'eau. Hop là, ouais. On recommence. Ah bah non. Et je vous jure qu'elle ne le fait pas exprès. Normalement, elle fait tout pour le rattraper, donc ouais. Combien il y en a qui ont perdu leur téléphone en descendant de l'annexe? Bon, le test ultime. C'est du béton là. Ah, c'est du béton hein, cette fois. Donc 1m50, c'est l'équivalent de la jacouille. La jacouille est ici. J'y vais. Allez, vas-y. Ça fait peur hein. Alors. Enregistrement. Il est toujours là, toujours vivant, toujours debout. Yeah. Ça c'est top hein. Donc en fait l'avantage en bateau c'est quand vous montez dans un annexe ou si tombe du bateau, vous avez encore une chance de le récupérer. Donc là il s'applique quelques petits coups de choc, sable, cailloux, tout ça. Je vais le remettre dans l'eau. On va aller voir un peu ce qui se passe dans l'eau.
trempé quelques minutes dans l'eau douce. On va recommencer. Viens, on est dans l'eau. Viens. Jacouille, ah oui. Qu'est-ce que tu fais dans l'eau? Coucou. Alors, est-ce que le téléphone marche sous l'eau d'ailleurs? Tiens, on va aller voir, on va arrêter. Hop. Ah non, ça marche pas par contre. Bah oui, ça va marcher que quand ça sort, hop. Là, on va arrêter l'enregistrement. Et voilà, là, ça marche. On vous met le lien en description et voilà, si ce téléphone vous dit, et ben cliquez sur le lien et faites-vous plaisir.